Bonjour à tous, nous sommes en direct aujourd'hui sur Tout Info. Et comme tous les jours, nous allons lancer notre fléchette. Elle est tombée sur Vermonton. Eh bien, je vais vous présenter l'école de Vermonton. Voici l'école, les cours et la garderie. Il est 9h10, les élèves arrivent à l'école. Après l'arrivée à l'école, au bleu. Alors on écoute la syllabe. Celle-ci, vas-y, écoute la syllabe. Vas-y. Tiste. Alors tu vas la mettre où la syllabe? Dans la première ou la deuxième? Dans tiste. Oui, on regarde la réponse. Enfin la réponse. Ça va. La dingue, il y a la bolognaise. C'est bon, fromage. Ouais, j'aime bien. Et la compote. Ah! Go les sciences, regardons notre travail sur la forêt. Alors là, on avait travaillé sur les branches d'arbres. Donc là, c'est le mélèze. Ici, c'est le pin sylvestre. Et là, c'est les branches de sèvre. Est-ce que tu peux leur dire où est-ce qu'on est allé les voir ces arbres? Tu te souviens d'où ils viennent? Là-haut, nos voitures. Ah ben voilà, il y a les feuilles. C'est des feuilles. Et alors sous les feuilles, eh ben, on a trouvé des petites bêtes. C'est quoi les bêtes? De l'argile, des plus gros graviers et des tout petits graviers aussi, et des animaux morts, oui, puis et des bris. Oui, des racines. C'est avec ça qu'il y a de la terre d'argile. Voilà, ils sont gros. Regarde, ça c'est pas petit. Hier soir, je suis allée ramasser des vers dans la fumée. Oh. Et alors, à votre avis, ils font quoi les vers dans le fumier? Les vers de terre, c'est pas des vers de terre. Et attention, ce ne sont pas des vers de terre. C'est des vers de compost. Ce sont des vers de compost. Je vous montrerai. On a faim. Allons à la cantine. Chef Cousteau, Jérémy a dû nous préparer un bon repas. Ah non, des épinards et des coquillages. Demain, chouette. C'est frites ketchup ou pâtes. Je vous donne le planning de cet après-midi. Nous allons faire sport. Ouais, ouais, ouais. Allez, ouais, ah, merde. Hey.
Et j'appuie pour faire un... Go! Attendez! Mais non, attendez! Vas-y, va te voir, Charlie. Charlie. La semaine dernière, c'était piscine.